ma reine, c'est celle qui est dans le bouchon là qui arrive. Voilà, et Marianne. Le parrain est là. Il y a Gigi et la marraine. Dans la même voiture. Dans la même voiture. D'accord. On va commencer vendeur normalement. Donc, et à la fin, on vous signerait comme il faut. Après, bon, donc, j'ai remarqué que pour Marianne, tu n'avais pas encore. Voilà. Bon. Allez, bon, donc on va commencer. Moi, je veux gâter. Prince Oscar, Marianne et Jawad. Donc, bienvenue dans cette église Saint-François, qui est une des églises de la paroisse Sainte-Marie de Peuple sur le lycée Mainvilliers Amis. Alors, donc, la célébration du baptême commence par la queue. Nous allons accueillir les enfants. Quand on présente les enfants à l'église, on les nomme aussi, et c'est à travers chacun par son nom. Et maintenant, Dieu va reconnaître ce nom que vous allez nommer aujourd'hui pour parler maintenant à vos enfants. Ils ne vont plus parler en disant que, bon, par exemple, un thème, mais maintenant il va appeler les enfants par leur prénom. Alors, chers parents, donc les parents d'abord, avancez, les parents des deux familles, voilà. À l'église de Dieu, quel prénom avez-vous choisi pour le baptême de votre enfant? Prince Oscar, Pierre Oscar et Marianne Gabriel. Que demandez-vous à ces enfants? Le baptême. Vous demandez le baptême à l'église de Dieu pour vos enfants. Vous devez les éduquer dans cette vie. Êtes-vous prêt à les éduquer dans la foi? Oui, nous sommes prêts. Nous le sommes. Chers parrains et marraines, c'est une grande joie de répondre à la demande des parents pour être parrain et marraine, car il vous lègue une part de responsabilité afin que vous puissiez aider les enfants qui vont être baptisés à grandir. C'est une responsabilité. Vous devrez aider les parents à exercer cette responsabilité. Êtes-vous disposé à le faire? Oui. Comme nous sommes tous d'accord, maintenant je vais marquer du signe de la croix les enfants que vous présentez à l'église. Signe d'amour de Dieu pour nous. Les enfants, bon, ils sont un peu plus grands. Certains ont appris à faire ce signe, d'autres pas du tout. Vous devez les apprendre à faire ce signe de croix pour qu'ils puissent grandir et savoir pourquoi ce signe est si important pour leur vie. Gabriel, Jawad, sois marqué du signe de la croix, signe de l'amour de Dieu pour toi, pour que tu puisses être
sous la bénédiction de Dieu. Amen. Marianne, sois marquée du signe de la croix, signe de l'amour de Dieu pour le Christ, que le Christ Jésus est mort pour toi. C'est Pierre Oscar. Pierre Oscar, sois marqué du signe de la croix avec le Christ Jésus. Alors, il est mis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans l'église de Dieu en chantant Dieu nous accueille. Pour lui dire ce qu'il craigne.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Ceux qui connaissent mieux bien la vie de Jésus, nous savons que Jésus est mort à 33 ans, donc très jeune. Et sa mission en tant que telle n'a duré que 3 ans. Donc il y a, on peut dire, il y a 30 ans de vie de Jésus qui nous échappe. Et nous avons beaucoup plus que des récits sur 3 ans de vie. Alors, donc, nous sommes... Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Jésus parle des enfants comme étant des exemples du royaume de Dieu. Pourquoi un enfant est pris comme exemple pour le royaume de Dieu? Et oui, pour une chose simple, l'enfant dépend toujours de ses parents. Et un parent sait ce qui est bien pour son enfant. Un enfant ne peut pas faire des choses sans les adultes. Et si Jésus prend les enfants en exemple, c'est aussi pour nous rappeler que tous nous sommes des enfants de Dieu. On peut se dire, pourquoi on fait ainsi une croix sur moi? Mais si je comprends ce code, je vais avancer. Alors, je vais vous donner quelques codes qui pourront vous aider à permettre aux enfants à grandir dans cette famille. Il y en a 5, mais je vais peut-être m'atteler sur 3 codes. Nous savons le premier langage de cette famille, c'est le langage de l'amour, avec un grand A. Pour vivre de cet amour, de ce règne de Dieu, comme je dis que si tous les enfants respectaient le règne de Dieu, respectaient les codes, le règne sera sur cette terre. Et c'est parce que nous ne respectons pas que nous nous battons. Alors, le premier code, parce que, par exemple, il y a un code, le code à barre. C'est le code à barre pour que je puisse, on puisse reconnaître le code à barre pour que tout soit en règle. Dès qu'il y a un trait qui cloche, ça veut dire plus. Et donc, peut-être dans la vie chrétienne, il y a des codes. Et si ces codes ne fonctionnent plus, soit je ne suis plus en connivence avec les codes, ou soit c'est le code qui ne me reconnaît plus. Un code à part, c'est ça. C'est pour que je puisse être reconnu. Comment Dieu peut me reconnaître comme son fils et sa fille bien-aimée? Alors, pour que Dieu puisse me reconnaître, le
premier code, c'est le code de la prière. Un chrétien qui ne prie pas ne pourra jamais être reconnu par Dieu, puisque c'est le lieu de la communication avec Dieu, la prière. Donc la prière, elle est la prière communautaire et la prière personnelle. Si chez vous, vos enfants ne vous voient jamais prier, quand ils grandiront, ils ne prieront jamais. Il n'y aura jamais de miracle. Oui, peut-être miracle. Dieu pourra s'en servir pour transformer. Mais l'enfant, en regardant ses parents prier, pourra. Si je ne fais pas l'expérience, alors je resterai toujours dans mes questionnements en se disant ce Dieu. Mais quand j'ai goûté un bonbon, quand je le mets dans la bouche, s'il est succulent, je ne peux pas nier, même si ce bonbon je l'ai goûté une seule fois dans ma vie, je sais que quel jour j'ai goûté un bonbon. Seigneur, nous te prions pour Jaran, Prince Oscar, Père Oscar et Marianne qui vont être baptisés. Nous les confions à ton amour. Qu'ils découvrent la joie d'être aimés de toi et d'appartenir à la belle famille des chrétiens. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions les deux familles réunies en ce jour. Donne aux parents la patience et la douceur secondée par leurs parrains et marraines. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te présentons notre paroisse, qu'elle soit un lieu d'accueil et un théâtre favorable pour permettre à tout le mouvement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous allons imposer les mains sur ces enfants. Viens à notre secours et nous te demandons l'aide de tous les saints, de tous ceux qui nous ont précédés, pour que ce moment soit rempli de ta force, de ton esprit. Viens, Seigneur, à notre secours. Oh, mais ça prie pour nous.
Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui
choisit les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Telle est notre foi.
que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Chers parents, voulez-vous que ces enfants soient baptisés dans la foi que vous venez, que nous venons tous de confesser? Oui, je veux. Voilà, vous avez accepté, bon, maintenant, je vais les baptiser. Marianne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, pour des mesures sanitaires, donc je vais utiliser cette même eau pour la même famille et puis Jawan pour l'eau qui est dans la carafe. Alors, maintenant, c'est Pierre. Alors, Pierre Oscar, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prince Oscar, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On peut prendre en refrain, voilà. Dans ce baptême, parrain, posez la main. Gabriel Jawan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pierre Oscar, Marianne, Gabriel aussi, c'est ça? Marianne Gabriel et Jawad Gabriel. Vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous en libérez du péché et vous en fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes maintenant membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque. De l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle.
Amen. Revêtement de l'habit blanc, donc les étoles, donc aux parrains et marraines de les revêtir. Vous êtes maintenant une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, les enfants, bah, vous avez reçu l'étole, c'est tout blanc. Le blanc, c'est la couleur préférée, voilà. Mais dès qu'on a si tu as des mains sales, ça va vite. Et c'est ce que nos vies sont aussi. Quand nous sommes baptisés, nous sommes blancs comme ce tissu. Tout est en nous, tout blanc. Mais après, dès que parfois les autres nous touchent avec des mains sales, il peut même nous-mêmes, nous rentrons comme le porc, il aime la boue, quand nous rentrons dans la boue. Et parfois, nos vies sont devenus, on ne sait plus de quelle couleur. Alors, on a d'autres sacrements pour nous aider, pour laver cette vie. En parlant avec quelqu'un, j'ai compris pourquoi parfois nos églises aujourd'hui sont devenues vides. Et pourtant, on baptise presque tout le temps, mais les églises se vident. Pourquoi? Parce qu'on pense que le baptême, ça suffit. Et on ne vit plus des autres sacrements. Et c'est un couple qui me l'a dit, c'est la semaine dernière, si je vous le dis parce que je l'ai retenu, il disait que si nous, on est restés unis dans la foi parce que nous avons été sauvés par notre confirmation, en vivant la confirmation, et on le sent bien que jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de notre confirmation que nous sommes encore dans l'Église. Alors, nos parents, aider les enfants jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à célébrer leur confirmation. C'est une doléance que je vous lance. J'aimerais, même si je suis je ne sais pas où, entendre que l'enfant lumière pour que, vous puissiez, que les enfants puissent grandir dans cette lumière. Pour allumer une lumière. Hein. Ah, bon, là, j'ai envie de mettre. Alors, la lumière, Jésus a dit, je suis. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis la lumière. La lumière du monde. Alors, c'est cette lumière que je vous donne maintenant. Et la lumière, elle est fragile. Si je vais dehors avec cette lumière, avec le vent, ça va se... Et donc, une lumière qui n'est pas protégée peut s'éteindre. Parfois, parfois, en nous, Jésus s'est éteint. Il n'est pas ressuscité en nous. Il est mort, il est encore dans le tombeau de nos vies. Alors, donc, Christine, tu peux donner. Chers, c'est à vous, parrain, marraine, recevez la lumière du Christ.
C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Pierre Oscar, Prince Oscar, Marianne et Gabriel en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, tous, nous pourrons nous lever et nous tourner vers le Père en disant la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Thank you.
Thank you.
a été lancé. Maman Kael, on peut la rejoindre. Paul Bessy prend sur la piste. Nadine Barbeau, Christian Miss. J'invite tout le monde. On va accompagner Maman Kael et Papa Oscar. On va les accompagner sur la piste. Même si on est célibataire, on peut choisir, il y en a aussi des célibataires. La reine mère, maman nous comme ça, la femme. Mama, 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 mama
force. Ça c'est l'entrée, hein. On reste sur la piste. Sonia Djamolika, la marraine. Il y a les 7 et je dis 7 Madinda. Auré Babou, à l'infini. La piste est encore vite là, on veut tous vous voir sur la piste. Nous voulons vous voir sur la piste, il y a des places. Que kilo bravo, il y a Fanny Milo, Wacha Fashion Police, Gino Capone, Papa Namar, Nawal Lakis Nasser. Nathalie Smith, mon gros. Marceline Ocote. Corinne Béa. Ah, si c'est Babino. Ah, la merveille du passé. Ah, la bonne époque. Salut. Ah, ah. C'est bien pour nous que Bani. Vous avez appris à couler que... Il va te faire un peu de la vie.
Ensemble.
Vas-y, trace au gars, on danse, on danse.
Moïse et Max. On vous attend sur la piste. Merci les filles. Oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle.
les parents fait plaisir aux enfants. Ah, les parents, vous êtes temps. Je prends pas de cadeau, ils peuvent remplacer par enveloppe. C'est pas méchant, oui. Les parents, par contre, on va pas compter. Oui. Les livres d'aide contre le café pour lui. Dans notre cabane. Il y a plus qu'à se mettre dans la cabane. Oh, merci, merci, merci. Oh, qu'est-ce qu'elle a bien, Marianne, elle danse. Merci, merci, merci. Je bats ta bouche. On fait plaisir à nos enfants. C'est pas fini, les gens arrivent. Don't miss a bonafide.
aux fondamentaux de ce qui vient de se passer cet après-midi. Le bonheur reste dans la famille parce que nous déjà nos parents, en fait on a grandi comme ça, nos parents, la maman de mon grand frère c'est ma marraine, le papa de mon grand frère c'est le parrain de Aosta. Donc nous on ne va pas chercher ailleurs, donc on reste tous dans la famille. Donc c'est pour cela qu'on a choisi de rester parents pour pouvoir les suivre jusqu'à les filles. Merci, merci, merci. Hey, I'm a star.
Thank you.
Marie, je salue. Pour qui c'est la soir. Mais c'est à présent. À nos regards. Le mari, le roi, le roi, le roi, le roi. Les hommes, les hommes, les
Merci, merci, merci. On se met debout, on partage la joie du gâteau. Possession du gâteau à l'anniversaire. On a les deux gâteaux pour le baptême et pour l'anniversaire. Sur Marianne, c'est un jour aussi. Marianne, oh que c'est beau. On va partager la joie de Marianne. On va tous lever la main. Les enfants, tout le monde autour du gâteau là, on lève la main pour Marianne et pour les baptisés. On lève la main pour Marianne, pour les baptisés. C'est pas un jour comme les autres. Marianne, tu vas couper ton premier gâteau. Marianne, c'est un jour. Thank you.
les enfants, hâte de savourer le gâteau.
Chala, 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 chala
Yeah.
Chombo, petit Jésus.